Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre bonne ville de Galdenbourg. Avec tous ces dromadaires et ces petits anons qui font dodo, c'est tellement mignon. Nous avons perdu plein de gens. C'est triste. Mais c'est ainsi. C'est la dure loi du rime. On mine, on découvre plein de zones. Et on va bientôt pouvoir faire une fête sauvage, mais on s'en fout! Que la fête sauvage, c'est pas pour nous! Fête sauvage, c'est quoi? C'est où? C'est là? Non. C'est laquelle la fête sauvage? C'est là? Non. Voilà. Là. Fête sauvage, c'est ça, c'est pour. Fête des percussions. Ouhou! Je sais plus pour quelle idéologie on sait, mais ce sera pas pour moi. C'est marrant quand même. Bah non. Mais si, en fait, on a l'impression que c'est pas la même couleur de moquette. Peut-être truc passionnant dans ce jeu. En fait, je pense que c'est juste le fait que là, il y ait plus de lumière que là. Est-ce que ça se voit? Là, je suis luminosité éclairée 50%. Pareil. On peut être la même lumière. Bon, bref. Si je promeux la mère Onyx en tant que baronne, qu'est-ce que j'ai d'actif? J'ai ça. Oh, j'ai que des signes, donc j'ai rien de bien passionnant. Ma colonie ne fait pas encore 350 000 pièces. Et combien ma colonie? Ouais, 280 000, 90 000. J'y suis pas encore. Donc si je promeux... Je suis sur quoi les mortiers? La mère Onyx, en tant que baronne, elle refusera de faire travaux ménagers, travaux manuels, travaux agricoles, minage. Alors que pour l'instant, elle n'est que prêtrice. Travaux ménagers. Donc il n'y a plus les travaux manuels. Et je crains que dans les travaux manuels, il y ait la bouffe. Alors bon. J'ai du monde pour faire de la bouffe maintenant. Mais... Bon, il est à 10. Hein. C'est peut-être pas si dramatique. Au niveau stock, là, on a plein de calcaire. En même temps, ici, ça disparaît vite. J'ai 500 aciers, j'ai 35 composants. J'ai pas assez de... 64 de granit, ouais, à l'extrême rigueur. Pourrait peut-être valoir le coup que... Je vais mettre là cette zone là peut-être en granit puisque c'est là où ça va se faire le plus démonter. Structure, toc. Là, ça en granit. Limite juste. Oui, si. Là, toc. Hop. Granitons un peu tout ça. Le reste, on va supposer que ça va tenir. Même si le granit, finalement, n'est pas non plus méga plus résistant que le... Non, ça, c'était une connerie. Que le calcaire. On avait vu, granit, c'est 510, alors que le calcaire, c'est 465 PV. Ouais, c'est un peu plus solide. Bon, tout le monde pionce, presque, juste nos nocturnes qui ne dorment pas. Est-ce que j'ai de l'équipement sympa que j'utilise pas là? Weapons, grenades, bof, appareils. Tacatum pum pum. C'est des parkas. Gilet pare-balles.
Plein de bonnets. Ok. Tourette. Enfin, tour. Tourette. Conversion. Évrette. Évrette est désormais convertie. Donc, nous allons désormais le recruter. Il a combien de résistance? 18. Bien. Bien, bien, modification. Ah oui, j'ai un truc à les péter. C'est vrai. J'ai ça à les péter. Bon, on va faire notre promo. Hop. Allez. Et ensuite, on fera en sorte d'aller virer la modification climatique. Hop. Et donc c'est parti, mon kiki. Commencer la cérémonie. Qualité attendue 97%. Oh. Louis qui est pas content. Sous bonne garde quand même. Hein. Néclicos. Voilà. Décevante, putain. C'est quoi? Onyx. Ah, trois honneurs quand même. Ouais, quand même. Décevante, ça avait 15% de chance. Ça ira. Et donc, Onyx est désormais baronne. Alors, cap, chemise solennelle, corset, petite couronne. Ah, j'ai une couronne. Ok. Chambre indigne. Qu'est-ce qui lui plaît pas dans sa chambre? 30 cases. T'as dû à lui élever des rideaux. Ok. Point de licence gagné 1. Alors, choix de licence disponible. Qu'est-ce qu'on va prendre? Des médicaments avancés, navette de transport. Ça, ce sera que quand elle sera comtesse. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, c'est quoi? Bombardement. Médicaments avancés, pourquoi pas, mais bon, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai le plus besoin? Enfin bon, ceci dit, je me sers pas. Ouais, les équestres de cataphracte, mais ça sera pour plus tard. Ou la navette de transport pour me balader, mais non. Mais allez, hop, je vais prendre des médocs. C'est sans doute pas le plus optimal. Et tu veux me donc demande d'aide. Je veux des médicaments avancés, s'il te plaît, cocotte. Attends, je vais te mettre dehors. Voilà, tac. Médicaments avancés, on a dit. Envoie-moi ça ici. Donc, chambre indigne, il faut des rideaux. Eh bien, mettons des rideaux. C'est où des rideaux? C'est là, rideau. Voilà, rideau. Non, pas animaux, s'il te plaît. Ridoux. Pourquoi est-ce qu'il ne me met pas des rideaux? Mobilier. Là, je sais pas pourquoi. Rideau en quoi? Qu'est-ce que j'ai? Largement tout ce qu'il faut.
cuir. Je suis sûr qu'elle aime le cuir, baronne. La baronne Onyx. Donc, tac, rideau en cuir. Tac. Voilà, pour qu'elle puisse lui faire un petit coin privé. Hein. Tac, comme ça, elle pourra. Hop, tac. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. 5, c'est tout. Oh, c'est loose. Et ensuite, ouais, donc, sachant qu'il fait moins 10 degrés. Je sais pas si c'est moins 10 ou plus 10. On va voir. Hop, allez, on va partir, on va aller tout défoncer. Je sais pas ce qui m'attend là-bas. Tac. On va mettre des énervés. Zmoy, avec sa superbe épée. On va envoyer qui? Temnamite. Akatsuki n'a pas d'armes, ce n'est pas bien Akatsuki. Il faut toujours se promener avec une arme. On va envoyer Mangazor Shobiti, on va envoyer Célestine et Luminae. Hop! Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va envoyer 6 dromadaires. 1, 2, 3, 4. 5, 6, bon, on va envoyer les mâles, de toute façon. Hop, j'ai pas besoin d'articles, j'ai besoin de bouffe. Tu me prends la base. Et mon chocolat, je suis désespéré, ils en prennent pas. Hop. Pourquoi ça pourrira? Hop, la simple. Go, go, go. 10, prends-moi, hop, tac. Allez, oui, je suis sûr. Éruption solaire, et eh ben, on fera ça, sans électricité. Il n'y a pas ben le choix. C'est juste que ça va être chiant par rapport à la bouffe. C'est le seul truc un peu pénible. Ouais, vous avez raison, c'est le meilleur chemin. N'importe quoi. C'est parti. Ouais, là je vais vite plus avoir de bouffe quoi. Ça me saoule. Pour ce genre de moment. On va s'assurer qu'on a une cuisinière à bois qui fonctionne. Allez, on se dépêche de me construire ça. Frénésie de travail pour Dynamite. Tu m'envoies ravi. Constructeur Toshiro, tu pionces. Moussarazé, t'avais annoncé T. Akats qui n'avait pas d'armes. Mêlée, tac. Éruption solaire touche à sa fin. Hop. J'ai besoin de cuisinier. Ah non, Onyx veut encore bien faire de la cuisine. C'est bien ça. Tiens, allez. Non, tu viens de t'endormir, toi. Signe. Signe. Va me faire de la bouffe. Hurry up. Qui d'autre?
Tac tac, malice. Donc tu vas pas préparer de la bouffe pour Usuzuke. Tu vas même pas manger. Tu vas préparer de la bouffe. Voilà. Et ensuite, tu t'arrêtes. Ah bah voilà, il a ils en bouffent du chocolat quoi. Il faut qu'ils aient plus de bouffe pour qu'ils se mettent à bouffer du chocolat. Je comprends pas tout. Hop. Vous n'allez pas m'approvisionner tout de suite. Tac, tac. Voilà. Et quel est ça dans le coin? Alors, les mortiers, c'est fait. Porte de prison. Je sais pas à quoi ça sert. C'est sûrement mieux que tout le reste. Hop. Et on redéplace. Tac. Et. Tac. J'adore jouer à Tetris. Rajeunissement demandé. Oudaf. Et ben, va rajeunir. Ah tiens, Louis. Top, top, top. Régénération. Ah ouais. Roudaf, va rajeunir. Hop. Remettre. Ok. Je vais remettre la harpe ici. Et je vais. J'ai plus de marbre. Merde. Je vais décaler mon piano sur le côté. J'ai plus de marbre. Mais c'est un scandale. Si j'en ai, je suis bête. Alors. Contre quoi qu'on va se fight? Oh, peut-être contre rien. Non. Tac. Mais sire, c'est une embuscade! Contre des ratons laveurs. Mon Dieu, c'est atroce. Une embuscade de ratons laveurs. Ils sont quand même drôlement bien organisés, ces ratons laveurs. Ah, ils font moins les malins, les ratons laveurs, moi je te dis. Bim. Ils y viennent. Bim. Et ben voilà. Formidable. Quand même, c'est des ratons laveurs qui construisent un truc trop chelou qui fait de la dérèglement, du dérèglement climatique. Infestation. Il le fait exprès, là? Il le fait exprès. Alors que j'ai plus pas mes combattants. Enfin, j'ai plein de combattants que j'ai pas. Ceci, c'est un. Du coup, c'est un petit. C'est un tout petit. Ah, il n'y a que 568. En comparaison de. Comme il y a plein de gens qui sont pas là. Bon, il va quand même falloir. Hop. Il va quand même falloir leur défoncer la tronche. Hop. Tac. Ensuite, tac, 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 tac. Pourquoi je fais ça au clic? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je fais ça clic par clic? Moi, je n'ai pas d'explication. Je suis complètement con. Louis
un caneton, ok, tac tac tac. Hop. Tac tac tac. Et le Percatox, il est où là? Ah, il est en boîte aussi. Kino va m'ouvrir la porte. Bim bim bim. Allez, faut que ça tape. Pencher la normalise. Bim. Problème réglé. Est-ce que... Ouais, il pourrait peut-être aussi me régler mon problème. Il est gros le truc. Hop, maintenir ouvert. Tac. Allez, tire-moi là-dessus. Tac, 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 tac. Le problème a l'air réglé. Donc, malice, tu disbandes. Qu'est-ce que tu vas. Non, tu vas pas attaquer ça au corps à corps. Non. T'es toute cassée, tu vas te reposer. Hop. Et puis, de toute façon, je préférerais que ce soit les tireurs qui s'en occupent. Hop. Un peu en retard, Morgane. Hein, je veux pas dire, mais. Voilà. Vous me faites un achevé, 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 achevé. Qui l'a mon achevé? Il est là. Là-dessus. Et disbande tout le monde. Hop. Caravane, des vaches se joignent à nous. Eh ben, j'en ai rien à secouer. Hop, ça fera de la viande. Ouais, même si de fait, peut-être que je vais chasser un peu. Me rends compte. Tac. Non, le ratagon à éviter. Et j'irai chasser le Megatherium aussi. Ça va. Hop. Et tac, tac, tac. Voilà. Transport urgent, tac, de tout ça. La zone est maintenant sûre, je peux repartir. Formidable. Hop. Je vais peut-être, avant de repartir, je vais tout récolter. Ce que je peux récolter. Limite. Tac. Limite l'herbe de vie. Tac. Hop, mobilier divers. On va atteler tout le monde ici. Tac. La personne qui allait s'occuper d'elle, putain. Rien de perdu de trop grave, non, c'est. C'est une négociation, celle du trou indigne. Oui, bah je me doute qu'elle est un peu dégueulasse. Elle est juste un petit peu tachée, il paraît. Tac, ça et ça. Vous l'enlevez.
Tac. Ah, ça y est, il s'ennuie là-bas. Bon, allez, on est reparti. On est reparti. Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je peux aller chercher? Cuir pemmican. On va presque aller faire du chou-fleur, mais pour... Du chou-fleur. Je lis si c'était du chou-fleur, je dis allez faire du chou-fleur. Oui, c'est ça. J'ai du bois, la fourrure de chinchilla ou du pemmican à l'extrême rigueur, c'est plus intéressant. Mais combien de temps y aller là? Un jour? Bon, allez. Attends, c'est pas des gens que j'aime bien ça? Des fois que... si la tribu du canyon, je les aime bien ceux-là. Fait chier. La tribu du canyon. Bah oui, bon bah dommage, j'irai pas chercher le chinchilla. On rentre à la maison. Ah. Non, c'est un clic droit qu'il faut faire, monsieur. Hop, article. Un truc de plastacie. Ah, il y a une mini toile. The fuck. Pourquoi j'ai une mini toile en métal? Embarque l'acier, embarque-moi ça. À la limite du granit. Ça va m'intéresser. Prends le chocolat, le riz, les baies, les herbes, le houblon. Qu'est-ce que tu veux du houblon là-dedans? Mais n'importe quoi! Et prends-moi des gravats en granit au max. Pim, 14. Ouh. Bim. Allez, on est reparti. Il va falloir que je fasse ça ensuite. Morgane, non, bientôt la conversion. Oh putain, conversion. Je vais devoir attendre que Mangazor revienne. Mangazor, c'est le résistant, quoi. Non, je changerai pas d'idéologie. C'est comme ça. Pas me faire chier. Bon, en vrai, en tissu, je pense que je suis très très large. Peut-être que le coton, je vais me calmer. Ah non, je... Si, attends, pour... Ah oui, j'ai 2000 de tissu. Ouais, je pourrais peut-être me faire une caravane marchande. Ça pourrait peut-être être intelligent. Ici. Pour protéger les toiles. Ça, c'est Onyx qui fait le ménage, quoi. Il est toujours dans le mal, Loury, là. T'aimes pas tuer les alpagas? Oh là là. Aminé, pas d'exécution. Putain. Oh là là, mais eux, c'est vraiment des... examen d'une structure cachée. Ils veulent des esclaves, ils veulent pas qu'on tue les animaux. Ouais, je sais. Exécution requis. Minage des approuves. C'est chiant ces trucs. Porte de prison. Suprématiste naturaliste. Eh ben. Eh ben des emmerdeurs.
porte anti-souffle. Rideau. Technique de construction simple. D'accord, formidable. Construction de porte battante. Ouais, c'est pas ouf. Bon, on va rechercher les trucs un peu gros. Vu comme j'ai besoin de... Bon, on va se lancer dans les trucs du vaisseau. Examine une structure cachée. Découvert les complexes avec une relique. 9 colons pour faire des recherches. Le complexe contient une menace inconnue. D'accord. Bon, et ben, on ira. J'ai plus Scorpicon. Paix à son âme. Qui était bien pour ce genre de truc. C'est quoi? C'est de l'ardoise que je récupère. Il était bien, il faisait de la médecine, il faisait de la recherche. C'était plutôt sympa. Mais bon. C'est Christ. M'en fous, les hommes zénistes. M'en tape. C'est quoi là? Putain, Célestine. Pourquoi est-ce que Célestine, ça va pas? Jaloux de la chambre d'Onyx. Me casse les rouleaux avec ses jalousies. Dans le noir. Il y a juste ça que je pourrais. Accélérateur de sommeil, mais ça coûte cher en composants. 5 composants à chaque fois. J'en ai 40, certes. Mais... C'est quand même pas ce qu'il y a de plus urgent. Tac. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il me vide tout le matos là. Tac. Hop. J'aime pas quand il garde. Ça fait des trucs qui finissent par pourrir un peu. Hop. C'est bon. Et hop. Transporter urgent. Ouf. Drone fort. Bon, même pas trop. Ah, très bien. Transformer les croquettes en... Enfin, la viande d'insecte en croquettes. C'est ce qui se fait de mieux. Là, j'ai quoi? J'ai une prothèse de bras et une prothèse de jambe. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Tersus, hop. Jambes bioniques. Là, c'est que le Segundus.
J'en ai pas besoin. Ouais, là, forcément, je sens que ça va craquer. Alors, du coup, là, j'ai une mini-tourelle en plus. Mangazor est pas contente. D'ailleurs, en parlant de Mangazor pas contente. Ça, c'est parce que t'es encore un sale mangeur sanglant. Morgane, va la convaincre. Non! Ah, Morgane a enfin réussi à convertir Mangazor. Putain, mais ils vont arrêter de picoler comme des trous. D'aucuns diraient qu'il suffirait que j'arrête de faire de la bière pour ça. Ah, mon merde. Il m'emmerde. Bon, franchement, là, ça va. En arme de tir. Ce sont pas super mes armes en termes de qualité, hein, franchement. Pas ouf. Ceci est carabine de survie, je pourrais les remplacer par des fusils d'assaut. Mais je n'en ai qu'un en rab. Mais bon, Katox, à l'intérieur d'une capsule, ben, ça sera pour Suzuk. Quand tu travailleras, tu iras me mettre ça. Papillote, tu vas être toute bourrée. Pompette. Katox a terminé son cycle de rajeunissement. Bienvenue chez les jeunes. Faudrait combien de temps, Katox, pour... Ah oui, il faut que j'attende que... Juste pompette. Ça me coûterait 10 jours. C'est quand même vraiment long. Examen d'une structure. Oui, ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Attends, je vais d'abord faire celui-là. Et qu'est disponible des dindes aux yeux de biche. Qu'est-ce que tu me proposes? Demande, elle voudrait que vous preniez soin de 11 dindes. J'ai que ça à foutre. Les dindes sont en train d'abrasir, elles doivent être maintenues au lit, n'importe quoi. Et ça va m'envoyer des mécanoïdes. Lance-charge légendaire 975 de plastacier. What the... deux escouades de mécanoïdes se déploieront en proximité. Putain, ça va être sale. Mais paye tes récompenses, quoi. Ok, et ben vous savez quoi? Je vais lancer ça. Et il met que 2 étoiles là-dessus, putain. Difficile. J'espère que les escouades de mécanoïdes seront pas trop badass quand même. Je vais lancer ça et ça sera pour le prochain épisode. Tac. Les dindes. Boum. Arrivée de dinde. Non mais c'est n'importe quoi. Et les mitrailleurs. 9 colons inactifs. Les mitrailleurs. S'ils meurent, c'est pas très grave. Hein.
En général, vous devrez les héberger et les nourrir, mais leurs morts au combat n'auront pas de connaissance, de conséquences. Bon, c'est juste qu'il me faut plus de bouffe. L'hébergement, comment dire, tac, pour les colons. J'ai du mal à héberger 9 personnes en plus, mais on va mettre des couchettes par terre. Mobilier, lieu de couchage, hop. Et si vous n'êtes pas content de vos conditions d'hébergement, vous irez vous plaindre à qui de droit. Et je ne sais pas qui c'est qui de droit. Tiens, ça c'est un peu con que ce soit là. Alors que là, par exemple, ce sera nettement plus utile. N'appartient à personne. Est-ce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ils sont 9. Bon, bah, je vais en faire un 9e. Je n'en ai pas d'autre qui appartient à personne. Non, j'ai pas l'impression. Hop. Et ça, bah, il faut essayer qu'elle meure pas, si j'ai bien compris. Donc, il va falloir que je fasse des couchettes supplémentaires. Tac. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tac. Et je peux les... Non, je peux pas les occuper, eux, du coup. Ils vont juste claquer. Glander comme des gros cochons. Zikino est d'accord. Il va essayer de se convertir. Pourquoi t'es pas content, Morgane? Tout va bien, Morgane. Drone psychique fort. Oui, bah je sais. J'y peux rien. Ça commence à être pitié, hein, quand il y a beaucoup de monde. Vite le bordel quand même. Acier 1435. Ouais. Ça c'est quoi? Ah c'est du marbre ça. Je crois que ça va sur la caillasse. Je vais lui demander de transporter du marbre, tiens. J'en ai un peu là. De la circulation. Avec les mêmes paramètres. Attends, tac. Pas au bord. Abrasie paralytique. Rodaf a terminé son cycle de rajeunissement. Oh non! Fait chier le drone psychique. Pêche. Bouffer mes stocks de chocolat, les salauds. Bon, faudra voir. Ah bah voilà, une ruche mécanoïde.
Alors, qu'est-ce que tu m'en... Oh, bah ça va. Ah, il y a un vilain centipède. Ah non, termite. Bon, et eh ben, ça va être l'heure de voir si... on va se planquer, les gens, là. Hop. Allez, action. Tac. Tac. Ça va être de l'heure de voir si tout ça, c'est efficace ou pas. Mais ça sera au prochain épisode, messieurs, dames. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt.